Ainsi commença la bataille rude et fière qui dépeupla le Cambrésis et le Vermandois. Tant d'hommes y devaient tomber qu'ils ne se relèveront jamais plus jusqu'au jour du jugement pour lequel je me prépare. Les gens de Raoul ont vu devant eux s'agiter les chevaux et les gonfanons. Ils s'arrêtent. Ils attendent les leurs qui prennent pied en foule sur le plateau. Raoul et Guéry les alignent pendant qu'Ibert et ses frères déploient leurs hommes. Puis les deux armées s'ébranlent en silence, gardant le petit pas. Chacune chevauche si serrée qu'un gant jeté sur les croupes ne toucherait pas terre d'une grande lieue. Plus elle se rapproche et se considère, plus elle se redoute. Tous pensent que la mêlée sera terrible. Alors le comte Ibert broche son destrier. Il se porte en avant de tous les siens, plus loin qu'un arc ne lancerait une flèche. Là il s'écrie « Où es-tu, Raoul de Cambrai ? Pourquoi faire mourir tant de francs hommes ?» Dans cette bataille, Raoul et Bernier, deux anciens compagnons d'armes, presque deux frères, vont s'affronter. Raoul de Cambrai était encore enfant lorsqu'à la mort de son père, le roi de France reprit le fief du Cambrésis pour le donner à un autre de ses grands vassaux. Parvenu à l'âge adulte, Raoul demande au roi de lui rendre le fief de son père. Le roi lui accorde le Vermandois appartenant à la famille de Bernier. Dame Aélie se promène dans son verger, sous les arbres en fleurs. Son chambellan approche accompagné d'une femme en noir vêtement de recluse et d'un petit enfant, Bernier. Noble comtesse, dit la recluse, je suis Marsan, qui fut l'ami d'Hibert de Ribemont. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que le comte Guillon, qui m'avait épousé devant l'autel, m'abandonna? Je demeurai seul pour gouverner sa terre. Le comte Hibert s'offrit à me conseiller. J'eus cet enfant. Les barons d'Hibert l'ont menacé de le renoncer pour leur sire s'il ne nous éloignait pas, mon fils et moi. Alors, j'ai résolu de quitter ce siècle. Abbesse d'Origny, je ne puis garder près de moi ce petit enfant. Noble comtesse, voulez-vous le recueillir? Rien ne peut me donner plus de joie, dit Aélis. Ami, va chercher Raoul. Voilà Raoul qui vient, entouré de lévriers. Que sait-il faire, dit Raoul? Sire, dit Bernier, je sais monter à cheval. Je sais muer les oiseaux de haute et noble volée, gerfaux et faucon. Mais sais-tu, dit Raoul, chasser le cerf et le sanglier? Non, sire. Ami, dit Raoul, je te montrerai. L'art du fauconnier n'est qu'une amusette. L'art noble, c'est la vénerie, parce qu'elle ressemble à la guerre. Rien n'est beau comme d'enfoncer son couteau dans le poitrail de la bête et de la dépouiller, et de jeter au chien le cœur et les entrailles toutes fumantes. Sire, j'apprendrai donc, dit Bernier. Pendant des années, Raoul et Bernier ont reçu l'éducation du chevalier, chasse à l'épieu, combat à la lance et à l'épée, entraînement à la quintaine. Au terme de cet apprentissage, Raoul, accompagné de Bernier, se rend à la cour royale pour la cérémonie de l'adoubement. L'empereur dit à ses damoiseaux, « Donnez-moi les armes. » Un bon destrier attend là.
L'empereur le prend par le frein. Neveu, essayez-le. Raoul bondit en selle, chausse les étriers. Il étend les mains, passe à son bras son écu à bandes d'or, saisit sa lance. Au bout de la place, on a dressé la quintaine. Elle est faite d'un double haubert porté par un double poteau et couvert par un double écu. Il baisse sa lance et va la frapper de plein élan. Les écus craquent et volent en éclats entre Raoul et Bouger dans les arçons. Le bel enfant, disent les Français. Dès maintenant, il pourrait défendre le fief de son père. Raoul revient vers l'empereur à toute allure. Bernier s'avance pour prendre les rênes. Alors Raoul dit à Louis, « Sire empereur, je suis chevalier. N'ai-je point droit d'armer à mon tour Bernier, mon bon compagnon ?»« Ami, tu le peux, » dit l'empereur. Donc, devant tous, Raoul fait avancer Bernier. Il lui remet des armes brillantes, lui ceint l'épée et lui présente un destrier. « Allez faire rire la quintaine. Et voyons maintenant qui de nous deux aura frappé le meilleur coup. »« Sire, » dit Bernier, « je n'aurai garde de refuser sa première demande à qui m'a fait chevalier. » Il éprône son cheval, il baisse sa lance. Il heurte la quintaine avec tant de force que les deux écus sont rompus, les deux auberts troués, les deux pieux renversés par le choc. Cependant, le vassal n'a pas chancelé. Toutes les dames se lèvent, tout le monde l'acclame. Quel coup de baron! Ogier le Danois n'avait pas le bras plus vigoureux. Qui frappe ainsi mérite un royaume. Bernier revient au petit pas vers Raoul. Il saute à terre, dépose son épée, détache ses éperons et se met à genoux. Sire Raoul, dit-il, j'étais déjà votre ami. À cause de cet honneur que vous m'avez fait, je veux être votre homme lige. De moi, vous n'aurez jamais que loyal service. Je jure, par Dieu qui ne mentit, de vous honorer et servir contre tous, en tout temps, en tout lieu. Ou si je vous manque jamais, pour quelque cause que ce soit, que le Tout-Puissant me châtie. Raoul le relève par les deux mains. Il ne lui sait point gré d'avoir renversé la quintaine. Il ne lui répond pas. Ce fut la première fêlure dans leur amitié, même si elle resta secrète. Peu de temps après, sous l'influence de son oncle Guéry le Roux, Raoul rappelle au roi la promesse qu'il lui avait faite, lui donner le premier fief qui viendrait à être libre par la mort d'un grand vassal. Herbert, comte de Vermandois, venait de mourir. Ses terres étaient proches du Cambrésis. Le comte Herbert avait 4 enfants, dont Hibert de Ribemont, le père de Bernier. À la tête des barons de son oncle, Guéry, comte d'Artois, Raoul envahit aussitôt le Vermandois. Bernier, ayant prêté l'hommage lige à Raoul, lui devait obéissance et fidélité. Obligation lui était faite de se battre aux côtés de son suzerain, et cela même contre son père et ses oncles. Dévastant tout sur leur passage, Raoul et Bernier arrivent devant l'abbaye d'Origny, où vivait la mère de Bernier. Raoul donne l'ordre d'attaquer. Le bourg d'Origny est enclos d'un vieux fossé, à demi comblé, et d'une palissade. Mais des murs même ne pourraient contenir la grande force de Cambrai. Sous les cognées et les coins d'acier, la palissade s'abat de toutes parts.
Les chevaliers traversent le fossé, pénètrent par toutes les brèches et se précipitent en criant dans les rues, la lance baissée. Des femmes, des vieillards, des enfants essaient vainement de fuir. Ils sont cloués contre leurs murs ou contre leurs portes. Les bourgeois d'Origny comprennent que cet assaut sera sans merci. Ils se réfugient sur leur maison et de là-haut, ils tirent des flèches, ils lancent des pierres et de grands pieux aigus. Beaucoup d'hommes de Raoul tombent de leurs chevaux. Les écuyers apportent les échelles. On se bat dans les rues, dans les chambres, sur les toits. Le sang coule partout. Raoul est ivre de fureur. Il jure Dieu que si tous ne sont pas morts avant ce soir, il se fera tonsurer comme un moine. D'une voix terrible, il commande « Le feu ! Mettez le feu !» Tout Origny s'embrase. Les petits-enfants, grand deuil et grand péché, brûlent dans leur berceau. La flamme court, dévorant les toits. Elle atteint l'abbaye. Elle s'engouffre dans le maître clocher qu'elle remplit d'un coup jusqu'au faîte. Les cloches fondent, l'incendie augmente. La charpente en feu laisse tomber dans la nef des brandons et des étincelles. La chaleur devient si ardente entre les murailles que les nonnes perdent la vue et l'ouïe. Le souffle leur manque. Elles tombent toutes étouffées. C'est un grand malheur. Et plus d'un dur chevalier en pleure de pitié sous son aume. Quand Bernier voit l'incendie gagner l'abbaye, il devient comme fou. Il met son écu devant lui pour se garantir et cherche à pénétrer jusqu'à sa mère. Mais la chaleur est telle qu'il ne peut approcher à moins d'une portée de flèche. Il s'abrite derrière un tombeau de marbre et regarde. Les portes ont brûlé. La nef de l'église semble un four plein d'une lumière ardente. Sur les dalles, çà et là, les nonnes sont étendues. Une seule gît au pied du maître-autel et le cœur lui dit que c'est sa mère. Il reconnaît sa tendre face tournée vers lui. Son psautier flambe déjà sur sa poitrine. À cette vue, son écu lui échappe. Il se pâme contre la terre brûlante. Quand le sens lui revient, il s'élance comme un forcené. Il essaie vainement d'approcher. Le brasier rayonne avec tant de force que trois fois il perd l'haleine. Alors il dit « Je tente une folie. Elle n'a plus besoin de secours, mais de vengeance. » Bernier n'avait pas le droit de s'attaquer à son suzerain, même pour une juste vengeance. Bernier pouvait défier Raoul, c'est-à-dire se délier de son serment de fidélité, mais cela ne lui donnait pas le droit de tuer son ancien suzerain. Alors Bernier défie Raoul. Raoul l'insulte et le blesse. Bernier ne se défend pas, mais rejoint alors l'armée d'Hibert de Ribemont. Origny craque, flambe et fume. Rien ne vit plus dans le bourg ni l'abbaye. L'odeur de l'incendie et de la chair grillée se répand dans la campagne. Raoul est content, il revient vers sa tante, il a faim, il appelle son sénéchal. Ami, dit-il, fais-nous servir à manger des porcs farcis, des pâtés de cerf, des pans rôtis, de bons cygnes poivrés. Mes gens ont bien travaillé, je veux qu'ils se rassasient à plein ventre. Le sénéchal l'entend. Il se signe trois fois devant la parole sacrilège. Y pensez-vous, monseigneur? Nous sommes en carême. Et nous, misérables, nous violons un monastère, nous brûlons des nonnes, et nous ne jeûnerions pas? Ah! Nous ne ferons jamais notre paix avec Dieu. Raoul jette les yeux sur lui. Fils de chienne, de quoi te mêles-tu? Mais il est vrai que j'avais oublié le carême. Donne-moi des échecs. Abandonnant Origny dévasté, l'armée de Raoul rencontre celle d'Hibert de Ribemont. Tous pensent que la mêlée sera terrible. Alors le comte Hibert broche son destrier. Il se porte en avant de tous les siens, plus loin qu'un arc ne lancerait une flèche. Là il s'écrie « Où es-tu, Raoul de Cambrai ?»
Pourquoi faire mourir tant de francs hommes? Tourne tes rênes vers moi. Si tu me fais un épée tranchante, je t'abandonne toute ma terre. Les enfants et les pères te la céderont sans rien réclamer. Mais Raoul ne l'entend pas. Il est à l'autre bout de son armée avec son oncle, au poil gris. Déjà les lances se baissent, les chevaux se précipitent, les barons s'écrient à pleine voix, Saint-Quentin ou Cambrai. Dès ce premier choc, bien des femmes sont veuves. Si fort deviennent tout de suite le heurt des boucliers, le craquement des lances, le hennissement des chevaux, la clameur des hommes, le fracas des corps, qu'on n'entendrait pas Dieu tonner. Jamais vous n'avez ouï parler de mêlées plus âpres. Les flèches tombent drues comme les grandes pluies d'avril. De tous côtés volent le sang et les cervelles. Quiconque glisse de sa selle est aussitôt écrasé par le piétinement des chevaux. On se bat sur une litière de targes trouées, de lances rompues, de gonfalons emmêlés, de vassaux étendus, la bouche ouverte. 10 charretées de têtes coupées, coiffées du haume, jonchent déjà les labours. Drone de Péronne combat une aile. Il n'est écu de tremble ou de tilleul qui résiste à sa forte lance de frêne, et quiconque l'attend doit la subir jusqu'à son gant d'acier. Le gonfanon dégoutte de sang comme s'il l'avait trempé dans une teinture. Où es-tu, Raoul de Cambrai, briseur de route, brûleur de femmes? Il finit par se trouver face à lui. Mais après un combat acharné, Raoul, d'un coup d'épée, lui tranche le poing gauche. En vain, Drone demande-t-il grâce. Raoul veut sa vie. Et prenant à fond, Drone quitte le champ de bataille, poursuivi par Raoul. À travers la plaine immense, Drone fuit droit devant lui. Il regarde éperdument de tous côtés si personne n'apparaît qui puisse le défendre. Alors apparaît celui que Dieu avait destiné pour la vengeance. Il se tient à la corne d'un petit bois de coudriers de tremble, à cheval et en armes, c'est Bernier. Il retourne sa lance, la fiche en terre. Sire Raoul, c'est toi qui m'as fait chevalier, je le reconnais. Et tu m'as prodigué les belles armes, les bons chevaux, l'or, l'argent et la nourriture. Mais tu me l'as fait chèrement payer. Tu as brûlé ma mère dans le moutier d'Origny, tu m'as fendu la tête. Tu as ravagé mon héritage, tu as fait périr beaucoup de chevaliers qui étaient mes parents ou mes cousins. Et maintenant, tu veux tuer mon oncle sous mes yeux. Ah, Sire Raoul, pour le Dieu de justice, aie pitié. Accepte la paix. Raoul l'entend, sa colère redouble. Il se redresse si fièrement que l'échine de son cheval fléchit et que ses étriers ploient. Bâtard, fait-il, tu sais bien parler. Mais tes ruses ne te sauveront pas. À toi aussi, je veux couper la tête. Ah, dit Bernier, ma colère est juste. Désormais, je ne m'humilie plus. Raoul est tombé sur l'herbe, la lance dans le corps, la tête ouverte. Et déjà sa belle bouche se contracte, ses yeux vifs, sans ténèbres. Le corps s'étend, l'âme s'envole. Ainsi finit Raoul de Cambrai, au coin d'un bois du Vermandois.